Et bonjour à toi à tous, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, qui n'a jamais rêvé d'avoir GTA 6 en avance? Et bah les gars, moi je l'ai. Regardez, regardez comment je l'ai, regardez. C'est si beau, c'est magnifique. Et non. Non, 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 en fait les gars, je n'ai pas du tout GTA 6. Vous aurez à mon avis remarqué 1 seconde 30 hein, mais c'est pas grave, mais ne quittez pas la vidéo quand même. Ne quittez pas la vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous êtes fait avoir. Non, regardez, c'est totalement The Crew 2 d'ailleurs, qui est un jeu de voiture un peu open world. Donc je voulais un peu reprendre ça, et surtout parce qu'il y a des similitudes avec ce qu'on pense que va devenir GTA 5. Donc je trouvais ça intéressant de voir. Et surtout parce que les gars, quand j'ai vu un truc, regardez. Bon, si des fois je galère un peu à conduire, c'est normal, c'est parce que j'ai mis changer les vitesses manuellement, hein, pas automatiquement. Ah, je viens de casser ma voiture là. Ah c'est bon, putain on spawn, ouais bon dans GTA 5 c'est pas trop ça, mais vous avez compris. Mais ce qu'on peut faire, autre GTA 5, regardez, on peut se transformer en avion d'un coup. Ouais, enfin si on est bon, voilà. Et regardez ce qu'il y a, il y a aussi un yacht les gars, il y a aussi un yacht, c'est ouf. Comme, bah, comme dans GTA normal, bon le yacht est un peu cubique, hein, on va pas se mentir, on va s'approcher un peu. Le yacht est totalement cubique, mais surtout un truc qui ressemble aussi à ce que va devenir GTA 6. Ah non c'est bon, il est plus trop en cube. Mais je sais pas si on peut se poser dessus, attendez, je vais tenter un truc que j'ai jamais essayé. Non, on tombe. Bon, c'est pas grave. Mais un truc qu'il y a aussi sur GTA 6, enfin qu'on pense qu'il va avoir, c'est. C'était un peu prévu. C'était un peu aussi toute la map en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait, comme Red Dead, c'est-à-dire être dans toute la map des États-Unis. Et c'est totalement le cas sur The Crew 2. Mais un truc un peu plus cheaté sur The Crew 2, c'est que tu peux aller partout sans y aller forcément. C'est-à-dire que, bon, regardez, là, il y a Los Angeles, là où j'étais, hein, à gauche là. Et tout à droite, il y a d'autres villes comme en haut Chicago, New York. Là c'est Miami et regardez qu'on peut totalement spawn en fait directement hein. Si vous êtes là par exemple, vous voyez directement par exemple sur cette rue là, ça va s'apparaître, regardez, boum, on sait totalement ce qu'il y a là. Donc c'est plutôt pas mal et je crois qu'on peut spawn d'ailleurs à côté, il faut juste trouver une activité et on va voir un peu, genre si je fais ça, voyager vert, voilà, tu voyages vert et normalement on spawn directement. Ce qu'on n'a pas avec GTA 5, hein, bon peut-être qu'on aura peut-être avec GTA 6, je sais pas. Ah oui, donc on a les bateaux aussi, mais regardez, il y a beaucoup de ressemblances avec GTA 6. Et je trouve ça marrant de faire une vidéo dessus. Attendez, hop, là je vais me mettre en avion pour après... Wow, comment j'ai spawn, c'est un peu chelou. Comme pour après être en voiture, attention. Hop, si je me prends pas le pont, non c'est bon. Oh. Wow, calme, calme, calme. Et d'ailleurs, vous remarquerez, regardez ma voiture, c'est vraiment un truc suprême, Louis Vuitton. On adore, on kiffe ça. Ah oui, donc là il y a le nitro, hein, donc c'est vrai que c'est un peu moins réaliste, on va pas se mentir. Où je vais là? Merde, je sors de la ville là. Non, j'ai pas envie de sortir de la ville, justement. Pas envie de sortir de la ville là, j'ai envie de re-rentrer dedans. Je pense qu'on va se lancer une petite course, parce que ça peut être pas mal. Puis voir un peu ce que ça donne. Oh là 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 là, regardez comment c'est cheaté. Oh, et franchement. Franchement, GTA 6 peut être un peu comme ça. Hein. Bon, là vous remarquerez que c'est pas du tout les mêmes graphismes et tout. Mais franchement, ils peuvent s'inspirer, hein. Ça m'étonnerait pas du tout. Donc on va regarder un peu s'il n'y a pas des courses plutôt pas mal à faire qui pourraient être bien en voiture. Je vais pas faire en avion ou en hélico parce que c'est moins intéressant. Catalogue, activité, ouais, c'est dans activité. Street race normalement. Parce qu'on pourrait se faire hypercar, je sais pas. Hypercar c'est quoi déjà? Ah je sais plus. Oh, tu sais quoi, on va se faire des street race. Et je crois que j'ai à peu près tout fait hein, mais je crois qu'il m'en reste quand même. Ouais voilà, il m'en reste exactement quand même beaucoup. Je vais en faire une courte là, 2 minutes apparemment. Donc je vais la faire. La vidéo va pas durer très longtemps hein, juste pour faire un test. Et regarder, je trouve ça intéressant de voir un petit peu avec GTA 6 qui va arriver normalement l'année prochaine avec la PS5. Et d'ailleurs si vous jouez à GTA 5, tous les mois vous recevez 1 million de dollars GTA chargé de véhicules. Non franchement je garde le mien. D'ailleurs les gars, au moment où je tourne la vidéo, c'est vrai que le PSG a gagné, hein. Le PSG a... Enfin, a gagné. En demi-finale, je parle. Wow. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Sauf que moi, il faut que je passe les vitesses manuellement. Du coup, c'est un peu chiant. Comme je le sens un peu moins fort pour la vidéo. Ok. Mais vous verrez que la map, elle est vraiment gigantesque. Si pour ceux qui ont joué à Red Dead Redemption, savent que les maps géantes, c'est très très long à parcourir. Mais bah, la map de The Crew aussi, hein. Je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Et franchement, les courses, vous verrez que ça, c'est vraiment pas mal, hein. Bon, c'est un peu plus arcade, hein, comme vous voyez, c'est pas comme GTA, c'est moins. C'est pas moins réaliste, mais vous savez, c'est Ubisoft là qui fait, et Ubisoft sont un peu plus arcade. C'est moins. Je sais pas, c'est différent, on va dire, c'est différent. Pour ceux qui ont déjà joué à des jeux Ubisoft comme Watch Dogs, Ghost Recon. Oh là là là. Merde, marche arrière, marche arrière, marche arrière, vite. Non, je me suis fait dépasser comme un con. Bah, mais pourquoi je me prends une barrière de merde aussi? Les gars, j'espère quand même que le PSG va gagner la finale, hein. Mais les gars, n'hésitez pas quand même à mettre un pouce bleu, tout ça. Oh putain, excusez-moi, parle mal. Putain, je suis vraiment dernier là. Ouah, c'est ouf.
c'est hardcore par contre là. Hein. Parce que là en plus c'est la course elle est facile. Hein. Parce que après genre quand on gagne les courses on peut les augmenter la difficulté pour gagner plus d'argent et gagner d'autres voitures en à l'infini quoi. Un peu comme GTA hein, finalement c'est l'activité. Hein. Et tu choisis ta difficulté, des fois vous avez dans les missions t'as facile qui est à 0,75 RP et argent. Normal qui a 1,25 peut-être comme ça. Il est difficile qui a 1,50 d'argent en plus et tout. Et là c'est à peu près la même chose, sauf qu'il faut faire d'abord le facile pour après aller plus loin. Déjà que je galère là à rattraper les gens. Je vous dis pas le difficile comment ça doit être. Parce que avant je jouais pas du tout en manuel, je me suis dit tu sais quoi, on va se mettre un peu de difficulté. Surtout que quand on joue pas mal à GTA 5, c'est pas du tout pareil. Hein. Je crois que sur GTA tu peux pas être en manuel, je crois pas. Enfin, en tout cas, tu peux pas décider de passer toi-même les vitesses. Je pense pas, peut-être que je dis de la merde mais je crois pas. Hein. Ok, je rattrape un peu, je rattrape un peu. Quatrième, oh non. Je suis quatrième là, oh c'est dur, faut être troisième je crois pour gagner. Vous voyez quand même que les courses sont plutôt pas mal, hein. C'est vraiment open world, donc c'est pas des... Comme la F1 2018, tout ça, tu sais, vous savez, les courses un peu comme ça. Donc ça peut être vraiment cool, et après on peut un peu custom nos véhicules. Mais pour les customs, c'est pas comme dans GTA où on doit aller au Los Angeles custom. Là, c'est en faisant des courses, et bah tu peux les améliorer pour leur XP, tout ça. Et normalement, je peux améliorer ma voiture. Attendez, je vais regarder ça. Faire start. Et normalement, je crois que je peux améliorer quelque chose si j'ai gagné. Mais vu que je suis quatrième, je sais pas si j'ai gagné des trucs bien. Véhicule. Performance, j'en ai eu deux. Non, ça change rien. Regardez, 280. Ah là, les violettes, quand c'est des couleurs un peu comme ça, c'est un peu mieux. Mais voilà, écoutez, tu sais qu'on va prendre. On va prendre celle-ci. Je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre celle-ci, mais la Monster. Pour changer un peu de véhicule. Je vais juste essayer de me téléporter autre part dans le jeu. Bon, il y a un peu de tout, hein, vous voyez. Donc là, on est un peu dans le désert, je crois. On est un peu au milieu de la map, là. Ouais, un peu au milieu bas. Et imaginons que je vais y aller à New York. Et eh ben je peux totalement, donc là je vais me faire spawn à un endroit un peu inconnu. Là, voyager vert, on va voir, écoutez. J'espère que je vais pas spawn dans la course parce que je vais juste faire une balade en ville tranquille, t'as vu. Et vous voyez par contre aussi, ce qui est un truc qui est un peu mieux que j'étais à 5 par contre, c'est l'intérieur des voitures. C'est, bah je crois que ça devrait être tous différents et surtout c'est beaucoup plus beau. Hein. L'intérieur, regardez comment il est classe. C'est quand même beaucoup mieux perfectionné que les voitures dans GTA 5, on va pas se mentir. Je voulais voir un peu si on pouvait monter ou pas dans le parking là. Il y a un parking juste là, je sais pas si on peut monter. Donc pour ceux qui se demandent, on peut pas aller en mode PNJ, vous savez, genre on peut pas sortir du véhicule comme ça et tout. Ah non, je crois pas, mais vous voyez, il y a plein de stunts. Ah bon, bref. Moi je pense que GTA 6 pourrait ressembler un peu à ça, en peut-être avec des graphismes beaucoup plus beaux, mais beaucoup plus beaux vraiment à un point waouh. Wow. Et surtout avec des FPS beaucoup plus hauts. Là je dois tourner à au moins un bon 50 là, 50-60 fps avec la PS4, donc voilà. On remarque peut-être un 60 en vrai, je sais pas du tout The Crew 2 comment il prend, mais pour ceux qui savent, GTA 5 tu tournes rarement à 60 fps. Essayez de rouler avec un véhicule rapide et vous verrez que ça bug, hein, les côtés bug. Hein. Là ça a l'air pas bugué, mais je pense comme c'est un peu arcade, c'est un peu vous savez, un peu cinématisé, genre tout ça. Je sais pas si ça se dit ce mot, mais je sais pas, j'avais envie de le dire. Mais on peut quand même aller partout, hein, regardez. Hein. Moi, je trouve ça ce jeu plutôt pas mal. Après, je déconseille de l'acheter. Hein. Je vais plutôt acheter GTA 6 quand ça sortira dans quelques mois. Puis moi, je vous dis les gars, à la prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like. Puis, c'était Pierre Alex et ciao.